Je suis paniqué dès que quelqu'un me parle. Et c'est même pas un troll. Hein. Hier, quelqu'un lui a envoyé un message en mode... un truc de... Je sais pas où c'est, de rune ou sur la lune des elfes. Elle a été flinguée pendant 15 minutes. Hein. Carnage. C'est même pas un troll. Hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois lui répondre? Je sais pas, il attend quoi de moi? Est-ce que je dois venir l'aider? Mais je sais pas ce qu'il veut, je comprends pas ce qu'il me dit. Aïe, aïe, aïe. Après, le stream, ça doit bien l'aider, non? Allez, ça... Que dalle. Ah ouais? Zéro. Pas sur ce plan-là, en fait. Au contraire, pour ça, une des raisons, d'ailleurs, et ça, je la comprends, pour lesquelles elle stream plus depuis un certain temps, et elle verra si elle reprendra ou pas, c'est qu'elle, ça l'a saoulé, en fait, comme elle a jamais voulu être pro, à 100%, le backseat. Là, un de ses jeux de cœur à Nat-Nat, c'est Against the Storm. Elle a, je sais pas, genre 400 heures dessus, elle est vraiment au très haut niveau dessus. Et quand t'as les mecs qui viennent la backseat, alors que des trucs qu'elle connaît, alors qu'elle défonce le jeu, ça va juste dégoûter du stream. Quoi. Que je peux comprendre, comme elle est bord avec les Souls. Ah, Dispel Fort en pub. Ouais, bah, bon call la bulle. Bon call, bon call. Et merci Pimous pour le follow. Ouais, désolé, je suis en sub only, j'ai eu des casse-couilles. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour pas qu'on me casse les couilles. Hein. Désolé. Ok, ose pas pour rater les subs, je ne suis plus streamer pro, non. Dispel Xela, Dispel Xela. Ok. Ça n'est pas pour rater les subs, c'est juste pour qu'on se la paix. Que les haters, ils sont plus proches de leur portefeuille que de leur haine. Donc c'est ça qui est bien. T'as pas peur Xela, hein, putain. Oh là, le fia. Ça va. Ok. J'ai le menu de FF7 Réunion derrière moi depuis tout à l'heure, avec les quelques notes de piano. J'en peux plus. En bien comme en mal, c'est-à-dire que j'ai trop hâte d'y jouer, mais j'en peux plus de l'entendre en boucle. Il est vraiment trop bien, je pense, en ce moment. Mais t'as combien d'heures dessus? Parce qu'il est pas très long, il me semblait que c'est une vingtaine d'heures. Hein, bon, ouais, il est pas très long, mais si tu cherches à faire tous les trucs. Ah oui, en plein endgame et tout, ouais. Ouais. Je crois qu'une quarantaine d'heures. Ouais, non, là, c'est pas le but pour moi, c'est juste pour l'histoire avant Rebirth. Mais ouais, il est sympa. Et Zorloz. Voilà. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et on est parti. Attends. Ah, non. Trop tard. Ah, c'est parti là. C'était qui Ah, bon. Généralement, tu les finis toujours. Il manque qui? Attends, je peux les faire? J'ai de la magnifique. Non, c'est bon, c'est passé. Je t'attendrai jamais. Non. Oh. Si j'avais besoin d'un prêtre, avec les 4 buffs pour les runes, j'ai compris. Ça marche. Après, je crois, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que les runes, ce genre de runes, en druide et prêtre, on peut les faire juste à deux, me semble. C'est une connerie. Voilà. Pour l'instant, on a qu'une seule. On n'a pas encore tout compris parce que les runes de prêtre, c'est un peu particulier avec l'histoire des méditations. Amélia, en phase 1 en plus. C'est l'arthrite dans les doigts, c'est ça? T'arrives plus à bouger, hein? Non, non, c'était. Je me suis fait enfermer. Ouais, on verra ça. Nat-Nat, quand elle voit une rune, elle est encore un peu paniquée en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas, au secours. Donc, on n'en est pas là, t'inquiète. Elle en a trois, ceci déjà. Oh, pénitence, qu'est-ce que ça heal fort, putain! Qu'à notre niveau, c'est tellement fort. Ouais, le dégât que ça fait est costaud, le heal que ça fait est impressionnant, enfin c'est... Ce qui est cool aussi, en druide prêtre, donc on... Moi, je suis, bah, forcément, je suis druide entre guillemets aiguise, jusque bah, avant le niveau 10, t'as pas le choix de faire des sorts, quoi. Et on ne s'est jamais posé pour EGL là-dedans. Voilà. Toujours enchaîner les mobs, c'est pas pratique. Plutôt safe. Ah putain, j'ai encore oublié de sortir mon world buff. Je suis un connard. Ah, GG. Je prends pas mal, je fais loot direct, hein, Amélia. Peut-être bot de 7, Bruma, Touchou, Xela. Non, j'ai déjà. Et... J'ai, et bah, niquez-vous tous. Ouais.
Je croise les doigts pour de bonnes runes pour le paladin heal à la phase 2. Ah, je te souhaite GG. Pourquoi tu as envie de passer D'ailleurs, au cas où. Alors, par contre, ce que je dis, il n'y a aucun passif agressif ou quoi que ce soit. Dans mode des gens qui pourraient se sentir ciblés. Il n'y a personne qui est ciblé et je vous encourage à ne pas le faire. Si vous voulez changer de classe à la phase 2, genre passer à un autre main, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas satisfait, encore une fois, on l'a dit, hein, le seul classe qui est un peu en dessous et encore qui peut s'en sortir, c'est le prêtre. Toutes les autres classes ont factuellement la possibilité de taper. Mais si pour X ou Y raison, par exemple, même avec une classe qui tape, vous avez envie de changer, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. On a vraiment tous les rôles, donc... rangez votre classe si vous le souhaitez. Par contre, il faudra juste me le dire avant la phase 2. On se réorganise sur le site. Allez, régène. On fait ce putain de buff. Enfin, mettre ce putain de buff. Ouais. Ok. Ah, attends, il reste. Prêtron de phase 2, je vais devenir Dark et Réfendant. Oui. Ah, tu vas... Ok, d'accord. Tu vas passer en DPS. Ok, ça marche. C'est bon, Dizzy, je crois pas. T'as fait ton dernier buff en lui. Yes. Ok. Xela, après ce boss, faudrait que tu... Il faudrait que tu refasses les druides. Mais ouais, Prêtron, la phase 2, c'est pas très simple. Il y a pas mal de classes. Enfin, on va tous prendre des points, mais on va voir avec les runes à quel point ça va compenser. Je sais qu'il y a des classes où ça va absolument tout changer. D'autres où ça va être un petit hop sympa. Là que je vois le mâche-feu, par exemple, je pense pas qu'il va être transcendé par la phase 2. Alors qu'en mage arcane, oui. J'ai vu le test en hardcore, mais mourir, être pas à tester. Oui, non. Clairement, c'est pas le hardcore, c'est encore. Puis sans les runes, honnêtement. Je vous le dis, moi, le. Enfin, bien ce que vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que. Vous allez, je pense que vous allez. Ceux qui n'ont jamais joué à. Préparez-vous à Switch. Attention. Concentrez pour le totem. Ok, go. Ceux qui n'ont jamais joué à WoW, vous allez vraiment être déçus de classique après Soden. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis juste que pour ceux qui aiment justement les gameplays minimum modernes, qu'on a avec SOD est un peu unique dans l'histoire du jeu vidéo. Vraiment prendre du vieux et de le moderniser, vraiment uniquement sur ce qui compte. Enfin, on va faire d'autres choses, mais bien sûr quand même des gros importants donc le gameplay. Hein. Enfin bon, ça préparez-vous à Switch. Le gameplay n'a vraiment rien à voir sur classique, beaucoup de classes, c'est très mal aux touches. Jouer en mage, on était obligé de jouer en frost, il n'y a pas le choix par exemple, et globalement c'était frostball. Vraiment, hein, tu as tout le fight, tu mettais ton CD, Arcam Power, quand tu l'entends faire là, et frostball, c'est tout. Le pal, c'est clic droit. C'est un peu une exagération, le pal, c'est clic droit. Allez, un jugement de temps à autre. Oh de la merde! C'est non. Imra, t'es full. Putain. Xela, tu veux ou pas? Allez. Un jour, on aura la masse pour nos mains. Nanana. Pour l'outil, moi, t'arrives plus à d'aise. Je suis bientôt stuff en druide équipe. Surtout que chez ça marche pas si mal en druide équipe. Ça marche vraiment pas mal. Avec les runes, c'est tellement plus dynamique. Hein. T'as pareil pour la colère pour farmer, enfin pour Pex, la colère gratuite en mana, c'est la vie. Ouais. Aïe aïe. Surtout avec un prêtre, donc elle me met c'est le bouclier ou heal quoi, et je suis juste bourré, jamais de régène. Quand tu fais tes colères, tu récupères la mana. Ouais. Donc la régène passive. C'est très stylé.
Et le toucher un guerrier. Ouais, non, mais c'est vraiment très cool, Apex. Très très smooth, Apex, on continue lundi. Bah là, le but, c'est que Nat elle soit 25 pour la phase 2, donc il y a le temps. Mais ouais, peut-être avoir une Nat. Imra, attends, je vais le prendre ça en vrai. Si au cas où il y a un. Il est pas trop mal en vrai en main gauche. Alors, pas le truc forcément de... Je vais pas y arriver. Hein. Ça vaut pas le set spell power, mais au cas où, si vous avez une main droite, je vous filerai. On le désera. Tiens d'ailleurs, Amelia, t'as déjà essayé de jouer avec tactique démoniaque plutôt qu'avec l'acte de feu sur le torse? Tu fais t'aimerais en trop l'acte de feu toi? Oui. Oui, j'ai essayé, ouais. Et tu préfères l'acte de feu, ouais? Oui. Globalement, puis ça booste les mages. C'est vrai. C'est vrai. J'ai une idée de raid, de raid, on va dire, d'une certaine façon. Ouais, un mago, c'est vrai que c'est pas... J'ai du mal, ouais, avec l'acte de feu. C'est-à-dire que sur le papier, oui, mais j'aime pas faire des... Je trouve que ça bouffe trop de mana, les... Oui, c'est vrai que ça bouffe énormément de mana. C'est chiant à gérer. Je trouve que ça casse un peu aussi le cycle d'enchaîner entre l'incinéré, le trait du chaos et l'humo. J'aime pas trop comment ça se goupille. Ça buff, hein. Je trouve ça rigolo, tu vois, je trouve utile sur Gamora. C'est vrai que sur les autres boss, je trouve pas ça... Oui. Je trouve pas ça dingue. Après, le critique, je pense que ce que tu... 10% de crit, ouais. C'est pas mal, hein. 10% de chance de crit, quand même, hein, sur les sorts. 5,5% de crit. Non, alors, le crit affiché, c'est vrai que vous savez peut-être pas ça. Quand vous faites P, le crit que vous avez d'affiché n'est pas votre crit, c'est votre critique de mêlée, pas votre critique de sort. Votre critique de sort, vous ne pouvez pas le connaître. Mal foutu. Attends, t'as un add-on ? Oui. Ah, my bad. Autant pour moi. Parce qu'au cas où, hein, j'ai des casseurs qui se sont fait avoir, quand vous mettez votre souris sur votre arme ici, ce que vous voyez là, c'est votre critique de mêlée, les casters aussi. Hein. Donc t'as que 3% de crit de sort, c'est ça? Non, 5. 5, ok. Et donc, avec le truc, tu passeras à 15. Ouais, genre... C'est quand même pas mal. Bon, ça... À voir. Peut-être plus tard, ouais. Quand j'aurai plus de critiques, c'est pas intéressant. Ah, Ipel, t'as toujours pas de... T'as toujours... Après, il me manque aussi des pièces intéressantes. Quoi, cette carte de merde, Sky? J'ai rien eu depuis longtemps. Aïe aïe aïe. Faut qu'on cause. Ouais, mais les magos, en fait, je vais les prendre avec moi, les mages, et on va. Ah oui, les runes, bien vu. Les mages, je vais les. On va les prendre tout le temps. Les mages DPS. Magie, vous démerdez, j'y connais que dalle. Ok, les deux hunts, vous allez aller dans le. Réa. Dans le Dream, et Amelia peut or pour Réa quelqu'un. Ah oui! Non, mais il a la pierre d'âme, effectivement. Mais là sur moi d'ailleurs. Mais là sur moi. Pour toi? Ouais. Je vais là, quand je prendrai les dégâts. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, voilà, les deux hunts, vous prenez le premier de rêve. Et ensuite, ça sera Ipel et Amelia, vous prenez le deuxième rêve. Oui. Ah, quoique. Attendez. Non, oublie ce que j'ai dit. Xelanos et Karn, vous prendrez le deuxième rêve. Ipel, Amelia, vous pourrez. C'est déjà assez relou côté mana. Donc ouais, les deux hunts, le premier rêve, et Xelanos Karn, le deuxième. Je vais m'occuper des chaînes, fort en pomme, tu kicks dès que c'est up. On va avoir pas mal de kicks. Xela, mais pas la rune kick, hein, au cas où. Bien, jeu que tu bourres, là. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais être sur les chaînes. Imra, tu prendras le tout premier kick, et ensuite ouais. je ferai les calls. Ok. Avec les kicks de mage, ça va être pas mal.
Et bah sur ce, j'ai rien oublié. On est parti. Imra donc premier kick s'il te plaît. Léon bien au cac. Imra, ok. Fort en pomme, tu prendras le prochain s'il te plaît. Ouais, peu importe ce que c'est. Même si une chaîne, on le prend ensemble. Mais... Dites bien quand vous revenez du portail. Ça y est. Ipel, go, rapprochez-vous, Xelanoscar. Ipel, kick. Ok. Xelanoscar, viens dans le boss. Fort en pomme, le prochain kick. Non. Pardon ? Ça marche. Tac. Imra, c'est up ou pas ? Oui. Go, le prochain. Impeccable. On est sorti. Fort en pomme, le prochain. Vous êtes déjà sorti ? Ok, je m'éloigne. Rapprochez-vous, Ipel vient au cac. On va essayer un truc. Ok, trop tard. Non, reprenez-le, reprends-le, Karn. Reprends-le, s'il te plaît. Et okay, ouais, va y avoir des chaînes qui vont passer. On va faire avec. On va essayer de sortir vite. C'est bon. Je reviens. Ok, c'est repris. Bien joué les kicks. Phase 2. Spreadez-vous. Revenez au début. Spreadez-vous bien. Rentre dans le boss. Il va être sur moi, logiquement. Pour l'attaque mentale, tenez-moi. Allez, on tient. J'impo. Allez, Lille. C'est full sur moi, logiquement, là. Les chaînes. Allez, vous pouvez le faire, Lille. Tenez-moi. Il y a Fatou Shoot. Bien joué, l'impôt. Très bon call. Et personne est mort. Magnifique. Bien joué, tout le monde. Oh, de la merde. Ça alors. Enfin, non, on a un truc bien. Comment c'est possible? Putain. Mais on a un truc bien. Qui va, je crois. Attends, je vais vérifier un truc, mais il me semble. Ah non, non, non. Hop. Roll, Ipel et Amelia. Il me semble que vous avez fait deux seuls sans collier. Je peux roll aussi, moi. T'as un collier, non? Non. Non plus. Mais vous êtes des gueux. Bah go roll. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Bah, tous ceux qui ont pas de collier, excusez-moi les casters, go roll. GG Ipel, putain. Le problème, c'est ça, en plus, c'est que dès qu'il y a un loot, vous êtes 15 dessus, parce que, bah, il y a très peu de loot de tissu, et le peu qu'il y a, forcément, vous allez vous battre dessus. Bon, au moins, ça fait un joli up pour aller caster. Parce que c'est le collier bis, hein, donc vous gardez lui pour de bon. Ils ont un peu tout mis dessus, d'ailleurs. Ils ont mis de l'esprit pour penser au healer. Ils ont mis du spell damage et un peu de heal power pour penser au taper. Et ils ont mis de l'armure pour penser au démo tank. Ils ont vraiment. Ils ont fait ok, ce collier, allez hop, tout ce qu'il y a de la mana, c'est pour lui. Bim. Ah, c'est pas chier. Il fait des sorts, ça se démerde avec ça. Bon, bien joué en tout cas. C'est vrai que ça simplifie, je pense, les healers quand il y a une seule personne qui prend attaque mentale. Maintenant qu'on a pu voir que c'était question de proximité. Tout shoot, là dans la situation actuelle, il aurait fallu que tu te rapproches un peu d'un. Enfin, pas venir coller, mais te rapproches du prêtre. C'est moi qui me suis mis à l'écart pour être tranquille. Mais... L'écart c'est bien, mais quand tu prends une chaîne, bah voilà. Là t'as eu de la chance, je t'ai healé et fort en pomme t'as fait une impôt, je crois. Ouais. Non. Donc t'as eu du cul. Tu as eu un raid qui a veillé sur toi. Prochaine fois, bouge tes fesses et viens faire des câlins aux prêtres. D'habitude, c'est les prêtres qui font les câlins aux gens, mais. Aux enfants. Bref! Régène. Oui. Régène. Les bénés. Allez, une petite épée pour Karn. Ou pour moi d'ailleurs. Oui. Ça serait bien. Moi, ouais. Ah oui, il y a Fort en Pomme, j'ai oublié. C'est vrai qu'il y a Fort en Pomme. Hein? Qui? Je le connais pas. Trop vu. Il a pas de collier aussi. Oh la team de gueule. Team ML en mousse. Pas balancé, mais. Des gens qui n'ont pas de collier là. Il y a encore des gens qui n'ont pas la perle. Bon, Sky, oui, mais c'est un gueux. Que des gens dignes de ce nom n'ont pas la perle. Non. Il y a que Sky, hein, je crois. Ok. Bah, GG Sky, et tu es déjà sûr d'avoir un loot par défaut. Voilà. Tout le monde, il est prêt, les bofs. Allez. Ah putain, j'ai encore oublié de changer Marie. Vous avez dit, c'est ta routine ça. Toi aussi, fort en pomme ou pas? Non, moi je l'avais dit. J'ai pas entendu. Ah, rip. Ah, c'est quand même, ouais, 10% des pièces de perdu. Hein. Je suis un connard.
Allez, préparez-vous au premier souffle, ça va pas tarder. C'est parti. C'est voté. Un jour je penserai à changer ma rue. Nanana. Souffle, il va télé hunt. Ouais, putain, je m'en prends plein la gueule. Ouais. Ouais. T'as pas regardé la tête. C'est la tête. Bah, laquelle? Bah, y'en a une. De droite. En fait, y'en a une qui a du poison dans la gueule. Faut bien regarder. Essayez de tenir tout shoot. Si vous le perdez, tant pis pour lui. Ouais. La mana, c'est pour moi avant tout. Hein. Ouais. Donc, il y a les chances que. Ouais, 5 stars. Ah oui, t'as vraiment tout pris dans la gueule, putain. Ah ouais, ouais. Oh la vache. Ah, laissez-le mourir. Ouais, laissez-moi crever, de toute façon, du gaspillage. Adieu, tout shoot. Et en plus, on peut même pas très ce que tu gardes les. Je bulle, moi. Et je le reprends. Tu gardes les stacks, en fait, même mort. Ah, j'ai l'impression qu'ils se réduisent là. Bah là j'en ai 3, ils reviennent vers quelqu'un d'autre. Ah quand même Amélia. Ah c'est pour ça qu'on en chopait quand oui, quelqu'un bon, meurt. Ouais. Ok. Quand un mec. Ok. Xelanos reste ou shoot, s'il te plaît. C'est rapide. Ouais, ouais c'est pas grave ça. Hein. Ah bah je l'ai, j'en ai plus. Si tu peux. Ah, il y a eu des ads par contre, ça c'est moins cool. Ouais, Osef des ads. T'as Léon quoi. Je vais la récupérer les ZAD, Osef des ZAD, hein, bien le boss. Allez, défoncez-le. Touche tout à res, montre-nous que ça valait le coup. GG. Bon. Oh, ah, putain. Non mais là, ah, tout shoot. Bon, ouais, GG, écoute. Hein. T'es pas mérité, hein. Je vais reprendre mes flèches, putain, j'en ai marre de ce sac cuite, là. Putain. Allez, GG, tout shoot. Bon, bah, littéralement, tous nos hunts. On l'arba. C'est, ça montre à quel point elle tombe, hein, putain. Les bottes hors 7 sont pas mal, car nous fort en pomme. Non, pas besoin. Et bah niquez-vous, voilà. Et la perle, c'est rapide. C'est hyper, il y a que lui qui l'a pas. Ouais, les oreilles aussi, c'est vrai que le fusil, ça fait un bordel pas possible. C'est vrai que le fusil à jouer en hunt, j'ai essayé vite fait, le son, c'est infâme. Ouais, mais même, je te dis, là, j'avais fait la quête pour avoir la sacoche 12, mais pour les flèches. Ah. Et le fait de passer en. C'est quoi le nom? Giberne. Ouais, en giberne, c'est la grosse merde, et du coup, chaque fois, je manque de flèches et tout. Enfin, de balles. Enfin... Et bah là, c'est bon. T'as une jolie arbalète épique. Merci. Je vous quitte là, je vais aller manger parce que je crève la dalle et on se retrouve pour faire cette réunion. GG en tout cas encore une fois pour ce raid, c'était très clean. Vraiment, bon à part les hunts, hein, qu'on fait les cons comme d'hab, hein, sur y a toujours hunt pour faire la patate sur les deux d'ailleurs là. Sur, Ah c'est lui qui m'a gros avec son machin. Ouais, c'est moi qui lui ai envoyé. Ah donc c'est tout shoot qui a fait double caca, d'accord. Ouais, dis donc. Hein. Et ça loot de l'épique. C'est trop près de l'élémentaire, c'est lui qui est. Ouais, c'est vrai, c'est ma faute aussi. Allez, à plus tard sur Discord. Bonne journée, les gars. Salut. À plus tard. Merci pour le raid.